En conséquence, article 1er rejette les recours des candidats Boni Yayi, Abdoulaye Bio Tchané et Adrien Houngbedji. Article 2 proclame définitivement élu président de la République M. Boni Yayi. Article 3 dit que conformément à l'article 47, alinéa 2 de la Constitution et au serment prêté le 6 avril 2006, le mandat du président de la République en exercice expire le 5 avril 2011 à minuit. Article 4 dit que le mandat de M. Boni Yayi, élu président de la République, prend effet pour compter du 6 avril 2011 à 0 heure. Article 5 dit qu'avant son entrée en fonction, M. Boni Yayi doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 6 dit qu'en application de l'article 52 de la Constitution, M. Boni Yayi est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous ses biens et patrimoines adressée à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Article 7. La présente proclamation sera notifiée à M. Boni Yayi, Abdoulaye Bio Tchané et Adrien Houngbedji, à M. François Janvier Yawedeou, Prudent Victor Tokpanou, Kessile Tchala Saré, Christian Enoch Lainde, Salifou Issa, Salomon Joseph Akissou Biokou, Antoine Dayori, Jean-Yves Sizogan, à Madame Akwavi Marie-Élise Christiane Agbero, à Monsieur Sir Kwagumpo Joachim Daïsiho, à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à Monsieur le Président de la Cour suprême, à Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal officiel. On siégeait à Cotonou le 29 mars 2011. Monsieur Robert S.M. Dossou, président. Madame Marceline Claire Béra Afouda, vice-présidente. Monsieur Bernard Dossou Degoué, membre. Théodore Olo, membre. Zime Yerima Korayaru, membre. Madame Clémence Nyembere Dansou, membre. Monsieur Jacob Zissounon, membre. On signe les conseillers et enfin le président Robert S.M. Dossou.